voulez une histoire, les enfants? J'ai une petite histoire pour vous. Tout a commencé le jour où mes parents ont acheté une nouvelle maison. Et au fond du jardin se trouvait une espèce de petite grange ouverte. Ça a un nom spécifique, mais je ne sais plus du tout comment ça s'appelle. Enfin bref. Et l'ancien propriétaire de cette maison avait stocké tout en haut de cette grange tout un tas de bois, de petites planches, etc. Et toutes ces petites planches m'ont donné tellement d'idées que j'ai décidé de m'en servir. Pour commencer, j'ai choisi trois petites planches qui me plaisaient particulièrement. Mais vu qu'elles étaient dans un sale état, j'ai décidé de les poncer. Et ensuite, voici ce que je vais en faire. De niveau, on suit le track. Direct. On essaye de mettre ça à droite. Quand ça peut sur les doigts. Non, pas moi. Pas moi, j'arrête. D'accord. Je te fais ça au plus fort. Non. Tu te démerdes. Mon papounet. Ouais, bah, et là, c'est bon, là. Oui, c'est bien. Ouais, hop. C'est peut-être trop, même. Ça va être serré, hein. Tu vas plus loin, là. Ouais. Alors, c'est 10, tu me dis non, ouais, c'est... Non, plus espacé, hein. C'est enlève ce du milieu. Voilà. Voilà, tu me dis gna gna gna, non. Gna gna gna. 10. T'es concentré, hein. Mais toujours. Ah, quand c'est pour moi, t'es toujours concentré, hein. Qu'est-ce qu'il ferait pas pour sa fifi? Hein, mon papounet? Ma fifi, hein. Il y a autre chose à faire qu'il y a des conneries pareilles, hein. Mais pourquoi tu le fais, alors, mon papounet? Je me demande. Qu'est-ce que tu fais, mon papounet, là? Je m'amuse sur les conneries encore. Tu as grandi de trop, exactement. Non. C'est ce que tu étais censé dire. J'ai grandi de trop. Voilà. Ah, ça va te plaire? Oui, super. Merci, papa. Et on commence tout de suite avec la première planche, dans laquelle mon papa a commencé à faire des traits trous. Je suis ensuite allée au magasin de bricolage pour acheter ces petits trucs, des crochets à visser. Alors les miens sont un peu gros, j'aurais préféré les avoir plus petits, mais j'en ai pas trouvé. Alors ça fera l'affaire. Ensuite, tout simplement, je suis venue visser mon crochet à l'intérieur de ma planche. Et je suis venue faire ça tout le long. Thank you.
Et donc voilà ce que j'ai obtenu pour ma première planche, un joli porte-collier pour mettre tous mes colliers préférés. Ensuite, avec la seconde planche, je suis venue coller des petites pinces à linge en bois dessus, tout simplement. Mais comme j'ai trouvé que c'était un peu fade, un peu trop ton sur ton, j'ai décidé d'habiller mes petites pinces à linge avec du washi tape. J'aurais pu utiliser de la peinture ou n'importe quelle autre chose, mais le washi, ça m'allait très bien. Et donc voilà, encore un nouveau support pour les colliers. En ce qui concerne les planches, on termine avec la dernière et j'ai décidé d'utiliser des poignées de porte. Et comme on dit chez nous en Normandie, des clanches. Donc les vis sont beaucoup trop grandes, alors je vais m'amuser à les scier, à les couper pour qu'elles soient à la bonne hauteur. Bracelet. Mon papa gentil comme il m'a déjà fait les petits trous pour que je puisse mettre mes clanches, enfin mes poignées, excuse-moi, à l'intérieur. Et comme tu peux le voir, les vis de poignées sont beaucoup trop grandes, donc il va falloir les couper. Et je n'aurai plus qu'à les visser à l'intérieur, et si ça ne tient pas, et bien je rajoute un peu de colle chaude, tout simplement. Et donc voilà le résultat pour encore un troisième porte-bijoux spécial collier.
Et je te montre une quatrième petite astuce pour tes colliers. Il suffit tout simplement d'aller chercher une branche dans la forêt. Tu peux la peindre si tu le souhaites, c'est comme tu veux. Et il n'y a plus qu'à la mettre dans un vase et de mettre tes colliers tout autour dessus. Tout simplement. Si jamais j'ai encore d'autres petites idées, eh bien je te ferai avec grand plaisir d'autres vidéos sur ce thème-là. Mais pour cette vidéo-là, eh bien ça s'arrête ici. Et donc voilà, en ce qui concerne mes petites astuces pour faire des rangements pour colliers. Donc j'espère sincèrement que cette vidéo t'aura plu. N'hésite pas à me dire tout ce qui te passe par la tête en commentaire et j'y répondrai avec le plus grand des plaisirs. J'espère que ma petite histoire aussi t'aura convaincu. Et en attendant, eh bien moi je te fais tout plein de gros poutous et je te retrouve très très vite dans une prochaine vidéo. Bye.